Un juif israélien a poignardé deux Palestiniens et deux Arabes israéliens ce vendredi matin. Cela s'est passé à Dimona, dans le sud d'Israël. Les quatre victimes ont été blessées. L'agresseur, âgé de 17 ans, a été arrêté. Cette attaque est le premier acte de représailles contre la vague d'agressions au couteau de Palestiniens contre des Juifs. Ce vendredi, un Palestinien a d'ailleurs poignardé un policier israélien en Cisjordanie occupée. Blessé, le policier a sorti son arme et a abattu son agresseur. Le Premier ministre israélien a redit ce jeudi sa détermination à combattre le terrorisme. Avec force et sans relâche, a-t-il dit, nous allons prouver que le terrorisme ne paye pas et nous allons y remédier. Depuis une semaine, les accrochages sont de plus en plus nombreux et violents entre Palestiniens et Israéliens dans les zones occupées de Cisjordanie et de Jérusalem. Les forces de l'ordre sont en état d'alerte, craignant de nouveaux heurts à l'issue de la grande prière du vendredi.